Voilà, là on est à Lisbonne. Moi c'est ma première fois dans un petit café avec François. C'est beau. Hein. Ça donne envie à des... Oh. Tu veux dire quelque chose? Un petit café sympa. Voilà. Je suis allée dehors. J'ai jamais mis les pieds. Comment ça s'appelle? Portugal, je connais pas. Je voyais que dans les films. Là, c'est la gare, juste là. Là, c'est les bateaux. Là, c'est un autre bateau. Et là, c'est un musée militaire, je crois. Et on est là. On est là aujourd'hui jusqu'à 18h. Voilà, c'est trop sympa. Les gens sont gentils. C'est propre. Voilà. Là, pourquoi j'aime les croisières? Parce que un voyage, tu peux voir plusieurs pays. Là, j'en suis à ma quatrième. Bah, je compte pas m'arrêter là. Ok. Et bon, François, lui, c'est sa première. Il découvre. Et je crois qu'il n'est pas déçu. Hein. Voilà, là c'est le bateau. Là c'est le bateau. Et là on est à Lisbonne, Santa Apolona, je ne sais pas, je ne connais pas. Et tout à l'heure on va essayer de s'aventurer un peu en ville quoi. Voilà. Et franchement les gens sont très 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 sympathiques. Et maintenant je ne sais plus dans quel bar j'étais. Ah j'étais là-bas. Voilà. C'est beau hein, regarde. Et il fait beau, on est en plein mois d'octobre, on est en robe, en tombe, et voilà. Là je vais voir, François, c'est beau, hein. Je connais pas, ce que je trouve beau c'est ça là, là-haut. Et ben en plus, j'ai été fait voir dehors. Tu veux dire quelque chose? Je vous explique, François. Depuis qu'on est sur le bateau, il se fait draguer par toutes les petites filles, tu vois, là, avec les fesses toutes flasques là. Voilà, t'es content? Tu te fais draguer par toutes les filles là? Non, mais c'est toi qui as cette impression là. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Elles arrêtent pas de te danser devant toi avec leurs fesses non tout nues, tout plates là, et t'es content que tu rigoles. D'accord. Ben, là, à Lisbonne, j'ai un café resto sympa. Ouais, je connais pas le nom. Bah, le nom, peu importe. En tout cas, c'est un endroit sympa. Mais est-ce que tu referais des croisières encore? Hein? Tu referais encore des croisières, c'est plus intéressant. À un voyage, tu vois plein de pays. C'est mieux, non? Ouais. Voilà. Tant que tu t'ennuies pas à l'intérieur. Le plus chiant, c'est Internet, parce qu'on n'a pas Internet tout le temps. C'est galère. Donc là, voilà. Le café où on est exactement, là, on a Internet, on a Wi-Fi. Bon, moi, j'ai accès à Internet parce que mon abonnement me le permet ici, en Europe, c'est-à-dire Italie, France. Mais bon, voilà, quoi, c'est un peu galère. Et sur le bateau, on est un peu coupé du monde parce que si tu te connectes, t'es foutu. Voilà. Bon. Là, on va rester là et puis tout à l'heure, bah, on va aller faire un petit tour dehors. On a jusqu'à 18h. Pour partir. Et là, il nous reste qu'à Lille. Demain, on va visiter Cadix. C'est quelle ville ça? Non, Cadix, c'est Barcelone. Non, c'est Espagne ça, Cadix? C'est pas Portugal? Cadix. C'est pas Portugal ça? En fait, on est trop marrons. On est parti en croisière.
sans savoir où. Enfin, moi au début j'avais vu les villes dans lesquelles on s'arrêtait, mais après j'ai pu calculer. Deux fois je ne sais pas où on va, on suit le monde en fait. À tout, le plus important c'est que le 22, on arrive à Marseille et puis on prend le train et on rentre chez nous. Et puis c'est fini. Et là, on retrouve la vraie vie. Là on ne fait pas la cuisine, on mange comme on veut. Fait ce qu'on veut. En fait, là, c'est la plus longue croisière que j'ai faite, en fait. L'autre fois, même quand je suis aux Caraïbes, c'était une semaine sur le paquebot. Et là, c'est 11 jours. Mais 11 jours, on passe plus de temps en mer parce qu'en fait, ils font Marseille, Espagne, Portugal. Après, ils reviennent en arrière. Voilà, et puis voilà. Bah, tu veux dire quelque chose ou c'est bon? Ah, pour le moment. Ok.